Vous êtes sur Gabon Télévision ce lundi 3 août 2015. Merci pour votre fidélité renouvelée à notre chaîne, madame, messieurs. Bonsoir à toutes et à tous. Et puis un invité pour ce 20h, monsieur Chora Kouetou. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes apôtre écrivain. Vous débarquez à peine, vous venez de France, Paris? De Paris, oui, je viens à peine d'atterrir, effectivement. Alors, et on parle d'une croisade d'évangélisation, Gabon 100% pour Jésus. Parlez-nous-en, rapidement. Effectivement, parce que nous voulons justement apporter l'évangile de Jésus-Christ partout. D'accord. Et le Gabon est un pays qui nous tient beaucoup à cœur. Donc, justement, il y a des frères et sœurs qui sont là depuis quelques temps, qui annoncent le retour à la parole du Seigneur, donc au vrai évangile. D'accord. Voilà, la gratuité de l'évangile et la dénonciation, justement, de toutes ces pratiques que l'on voit dans les assemblées aujourd'hui, telles que la dîme, la couverture pastorale. Et puis, donc, c'est dans ce cadre-là, justement, qu'un programme a été organisé. Donc, à partir de demain, au stade de la gendarmerie du Gros Bouquet, d'accord, à partir de le soir, donc, du 4 au 9, au 8. Du 4 au 9. Toujours au même endroit? Au même endroit, au stade de la gendarmerie, du Gros Bouquet. Donc du 4 au 8. Donc voilà. Tous les soirs, on sera là pour proclamer la parole du Seigneur. Voilà, frères et sœurs, nous sommes au stade de la gendarmerie. Donc ici à Libreville, vous voyez, donc c'est une grande enceinte qui peut recevoir près de entre 8 à 10 000 personnes. Voilà, donc le programme commence. Demain 4 août jusqu'au 9 août, voilà, au 8 août, voilà. Donc on est là pour 4 soirées de partage de la parole, prière, voilà. Donc là je viens d'atterrir ici à Libreville, donc nous sommes le lundi 3 août 2015. Que le Seigneur soit béni, merci en tout cas pour vos prières, vous tous qui suivez TV de vie depuis les nations, que Dieu vous garde. Au nom de Yeshua, je viens à peine d'atterrir. Merci pour vos prières. Que Dieu vous garde. Au nom de Yeshua. Amen. Et voilà. Le rendez-vous est pris, mais avant de vous laisser partir, et si vous nous parlez un peu de ces nouveaux écrits, de cette rénovation, de cette révélation, on va dire. D'accord. En fait, c'est juste une révision de la Bible que j'ai faite avec mon équipe. Et parce que révision, c'est-à-dire dans l'écriture ou dans le fond aussi? Révision, c'est dans le fond et la forme. Dans le fond et la forme. L'interprétation. Et effectivement, parce que il y a beaucoup de choses qui ont été mal traduites. Donc de l'hébreu en français. Donc ça, ce travail a été fait vraiment minutieusement et ça a ouvert les yeux à beaucoup de personnes. Donc elle est offerte gratuitement, effectivement. Donc c'est la BJC, la Bible de Jésus-Christ. Et donc justement, ceux qui seront là demain, demain, après-demain et jusqu'au 8, ben, ils pourront éventuellement nous poser toutes les questions relatives à cette révision. Merci. Voilà. Apôtre Chora Kouetou. Alors ceux qui veulent le baptême, ben, comme on n'est pas dans la religion, hein, on se laisse guider. Ceux et celles qui veulent le baptême, courez. Courez. Amène-le, amène-le ici.
baptême, venez vers moi. Venez. Venez ici. Faites l'accueil ici. Venez. Faites deux queues. Acclamez le Seigneur. Venez par ici, vous tous qui par ici. Faites deux queues ici. C'est le dernier jour. Ne ratez pas ce jour. Ne ratez pas. Ne ratez pas. Parce que vous ne savez pas ce que le lendemain vous réserve. Vous ne savez pas. Il ne faudrait pas dire, ah, si je savais, Seigneur, je veux repartir sur la terre pour restaurer les choses, c'est trop tard. C'est le temps, c'est le jour, c'est l'heure. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Suivez-moi. Faites les deux queues ici, suivez-moi. On y va. On va au ciel. Oh, Dieu est grand. Dieu est grand. Mettez-vous ici. Waouh. Waouh. Regardez-moi toute cette foule. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Mon Dieu est grand. Oh. Ah, non, non, on ne l'a pas acclamé bien comme il faut là, mes amis. Regardez-moi. Mettez-vous ici, là, là, ici, là aussi. Tout au long de l'estrade. Mon Dieu, acclamez Dieu. Les personnes baptisées, les personnes qui veulent le baptême, courez, courez, courez. Les personnes baptisées, les personnes qui veulent le baptême, courez, courez, courez. N'hésitez pas. C'est votre jour, c'est votre temps. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Chrétiens, Gabonais, Gabonaises, mes amis, on peut encore de nouveau acclamer le Seigneur. Ma vie est créée. Par toi et pour toi. Elle confesse pas ton nom. C'est qu'elle n'a vraiment pas de sens. Ma vie a été. Je suis une invitée. C'est ma fille qui m'a invitée à cette croisade. C'est la première fois que j'assiste à une croisade. Je vais rendre grâce à Dieu pour mon baptême. Parce que hier, je me suis baptisée. Quand vous me voyez, aïe, je ne suis plus très jeune. J'ai d'abord été baptisée étant bébé. Tout le monde sait où ça se faisait, où ça se fait en tout cas. N'est pas là pour polémiquer. J'ai un grand parcours là-bas, mais jusque-là, je suis restée ignorante. Enfin, je l'étais jusqu'à hier. Qui connaît le nom de Jésus en arabe? Normalement, Issa, c'est trop français. Issa en arabe, c'est Issa. Issa, Issa alayhi salam. C'est le Seigneur des seigneurs, le roi des rois. Mohamed, Mohamed, il est mort, il est resté dans le tombeau. Mais Jésus est ressuscité, alléluia. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Elle est ressuscitée. Alléluia. Elle est ressuscitée. Céleste, je bénis le Seigneur parce qu'il est merveilleux. Jésus m'a guéri d'une maladie que les gens ne. Enfin, d'une maladie qui n'a pas de remède ici sur la terre avec les hommes en fait. Jésus m'a guéri du sida. Non. Jésus est merveilleux, je vous dis. À ceux qu'on a chassé les démons ou qui ont accepté le Seigneur depuis mardi ou depuis, vraiment tenez ferme.
N'abandonnez pas, parce que quand un démon sort d'un corps, qui va chercher cet autre démon plus fort, quand il revient, il trouve le terrain vide, il rentre là, ta condition sera pire. Et c'était mon cas. J'ai reçu le Seigneur et je l'ai abandonné. Quand j'ai abandonné le Seigneur, ma condition était pire. Je suis allée me choper le sida. Même avant que je ne fasse les examens, je savais déjà parce que je connaissais ma vie. Ça ne m'a pas trop étonnée. Juste ça m'a quand même fait mal de savoir que oh oh, c'est la réalité. Mais quand même, ça ne m'a pas étonnée parce que je connaissais ma vie. Vraiment, sortez du péché. Sortez des rapports sexuels hors mariage. Je vous dis, mes soeurs, ça ne paye pas. C'est Jésus le véritable. Je vous dis la vérité. Même si aujourd'hui je meurs sans me marier, j'ai Jésus de Nazareth. Que Dieu soit béni. Je vous dis la vérité. Ne courez pas après les hommes, mes soeurs. Ne courez pas après les hommes, après le mariage, après quoi que ce soit. Courez après Jésus de Nazareth. Je vous dis la vérité. Je suis fière aujourd'hui d'appartenir à Yeshua Mashiach. Ceux qui veulent le baptême, venez avec vous, venez, 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 venez. Sempre.